Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, de mon côté très bien. Je vous remercie vraiment pas du tout quand je posterai cette vidéo. On va créer un nouveau compte comme vous pouvez le voir. Moi le costaud, je l'ai à 600 trophées sur mon gros compte. Et tout simplement, on crée ce compte. On va monter en pouvoir le El Costaud, du coup qu'on débloque assez facilement puisque c'est un rare. Sinon je l'aurais fait avec un Edgar, je vous le dis. Mais vu que Edgar il est épique et qu'il a plein d'épiques, eh bien... J'ai fait ça avec El Costaud. On va le monter en pouvoir. Et ensuite, on va le monter en trophée au maximum. Je l'ai monté à 600. Et on va essayer de le monter à plus de 600. J'espère que je vais réussir, honnêtement. Car ce serait bien. Et voilà, le petit défi que je me lance. Je ne sais pas du tout si je vais y tenir ou pas. C'est pour ça que cette vidéo, je ne sais pas quand je vais la poster. Alors là, on a l'ult. On va attendre. Voilà, je commence à connaître. Je le connais par cœur avec le compte de 200 abos, du coup. Je le connais par cœur. Terminé, il faut dire le nom. Donc voilà, donc je voulais passer la partie. Pour le moment, on a que la Radia Gem de disponible. On a une boîte ici. Qu'on va ouvrir, voilà, des points de chéri. Alors, je vais pas améliorer parce qu'en vrai, je vais garder toutes mes pièces pour El Costaud. Vraiment, on va faire des... On va économiser pour El Costaud. Il va être gâté, le problème. On va pas tarder à le choper, je pense. Face, là. Ce serait incroyable, en vrai, qu'on le chope en tout premier. Comme ça, ça lui... Ce serait plus facile. Comme ça, il pourrait récupérer plus de points de pouvoir. Déjà, il n'a pas activé Super Saiyan, en tout cas, pas pour le moment. Et du coup, on pourra débloquer Dark Tabac dans une boîte. J'ai pas trop d'affinité avec Dark Tabac. Donc c'est pas vraiment plaisir de débloquer. Voilà, ok. Un Poco. Il est mort. J'ai jamais fait attention, mais est-ce qu'ils sont max les bots du coup là avec les mots. Max c'est pouvoir 11 avec les jet. Le petit ulti auto-shoot dans le vide, ça. Oh! Il fallait intervenir avant, les costauds! Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Il fallait intervenir bien. Ok. Normalement, les trois premières boîtes, on débloque rien, je crois. Et ensuite, on va débloquer quelque chose. Donc là, on débloque des points de Shelly. On va même pas se l'améliorer niveau 2, ma chérie. En tout cas, pas pour le moment. Tant que le niveau 1 va, on se l'améliore pas. Let's go get him. C'est pas à ce niveau trophée que je vais galérer. Hein. Yeah. Bling bling. On va aller là-bas. Ouais. On fait ça. Ah, lui, non. Je vais tester les gènes à toi. Les pros, c'est pas trop fou, c'est... c'est qui fait un qu'on a vite, il y en a un qu'on a un. Je suis pas content de petit coup de main pour la tuer. Non, je vais mourir. J'étais bloqué dans un coin et ok, j'ai 0 gemme beaucoup. J'ai oublié que ça se passe. Corps à corps.
couteau, non. On aurait repris le contrôle de toute façon. On va débloquer Nita. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse là. Désolé Nita. Mais ce c'est le costaud. Oui, t'es là. Oh, magasin. Ah oui, mais du coup. Attendez. Non. Le skin El Tigro, du coup, on pourra pas l'acheter. Bah oui, de toute façon, j'ai pas les gemmes. Et même si j'avais les gemmes, le pack il va partir. Donc, on pourra pas. On boîte. Ok, donc là, normalement, on a toutes les chances pour débloquer El Costo. On n'a pas une. Oh non, on n'a pas de boîte là. C'est dommage. On va faire une game avec Nita. Pour changer un peu de gameplay. Même si on voudrait débloquer El Costo. Surtout que là, que ce soit avec moi ou en face. Y'a que des El Costo quoi. Tu débloques le passant avec Bartaba, Colt et Nita. C'est pour ça que tu débloques hyper hyper facilement. Et Shelly. Mais Shelly tu l'as de base. Oh je suis pas Shelly en fait hein, donc encore ça allait après je pense à l'autre jeu mais et là on a gagné. En plus, il y avait deux Nita. Ça faisait 5 personnes sur le terrain quand on avait nos 12 autres en même temps. C'est énorme. En vrai, 5 personnes sur le terrain contre 3, c'est énorme. Oh, brûleur, brûleur. Oh, c'est le costaud. Oh, on a trop de chance. On a vraiment trop de chance. On va bientôt se débloquer le mode survivant à 30 trophées. Mais on a les costauds. On a vraiment trop de chance. On a vraiment trop de chance. Il faudra. Je pense que je vais rejoindre le club que j'ai créé. Le Peace Club. P-I-Z et ensuite Club, comme ça s'écrit. On est actuellement 28. Donc vous pouvez rejoindre. Hein, il y a deux places. Il restera plus de 28 parce que club parce que je vais avoir besoin des récompenses du club. Je me dis heureusement que j'ai eu ce mec là en face pour commencer le jeu. Parce que sinon, déjà j'avais pas compris grand chose à l'époque. Ouais, je me rappelle au début. J'avais même pas compris là. Surtout que j'ai fait peut-être jusqu'à 1000 trophées, j'ai rien capté au jeu, j'avance le noob de base. Alors maintenant, je sais pas si je peux me considérer fort, mais je suis vraiment pas mal honnêtement maintenant au jeu. On débloque le mode survivant, on se met en survivant.
Des points duel costaud. On peut se... Non, on ne peut pas. Tant pis. J'irai voir dans la boutique si on a des points d'El Costo. Je crois pas, il y a des Chili et Nita, mais El Primo! El Primo Punch! Je sais pas, ça fait combien de temps elle est là, mais cette map, je crois que je l'ai jamais jouée. Elle va peut-être me prendre pour un fou. Je crois que j'ai jamais joué sur cette map. Elle me dit rien en tout cas. Bon, après moi, je suis plus map pour faire le décor. Je trouve que les graphismes sont mieux. Tu en plus, il y a plein de squelettes là. Ils me font dépenser des coups pour rien. Ah. Mais c'est trop bien ces machins. Ce serait bien qu'on arrive pile sur... Oh, je l'ai pas pris. Ce serait bien qu'on arrive pile sur l'autre. Des bombes et tout. Je fais même pas de kill, je m'amuse à sauter. Bon. Il se passe quoi là? Ok. Et je le tue. Et en vrai, il a pu tellement me tuer. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il aurait pu tellement me tuer. Cette boîte. Tac. Mais non, mais Nita, tu peux. Non. Allez, j'aime. Ça, c'est important. Ça remet tout de suite de bonne humeur. Les clubs. Je sais qu'il faut les débloquer à 900 trophées. Avant, c'était pas comme ça, non? Avant, tu pouvais créer un club direct. Je sais pas, mais avant, il y avait un club, il n'y avait pas machin club et tout. Ça, c'est depuis la lune. Genre, t'as vraiment besoin d'avoir 900 trophées pour être dans un club, quoi. Oh non, non. Parce qu'encore, genre, je sais pas, les différents modes, tu dis ok, d'abord on l'habitue à ce mode, ensuite on l'habitue à l'autre mode. Un club, tu sais ce que c'est? C'est comme les groupes, je sais pas. T'as plusieurs personnes, et tu peux parler. Bon, maintenant c'est un peu plus complexe, tu dois faire tes games, mais quand tu rentres dans un club, tu peux pas faire la saison tout de suite, faut que t'attends une semaine. Donc en vrai, ça va. Pas besoin de mettre un 900 trophées. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je dis juste ça comme ça. De toute façon, c'est leur jeu. C'est, ils font ce qu'ils veulent. Mais je trouve ça dommage en réalité. Je suis là. Je me promène là. Vraiment, je fais attention à personne. Je me promène. Toujours la Rosa. Et Nita. Ok. Rosa. Prima punch. J'allais dire mes tirs, mais en fait. Dégage. Je suis là, non, je ne tire pas. Suite, c'est Colt. Vas-y, on arrêtera cette partie de vidéo à Colt. On va l'organiser parce qu'après, on va acheter des skins. On va acheter quelques skins sur les costauds parce que c'était comme ça le costaud quand même. On va se l'habiller. Thank you.
Je connaissais pas cette map, mon ressenti de cette map est vraiment chelou. C'est marrant les tremplins, mais fonctionnement est chelou. Vamos, amigos. D'accord. D'accord. For pain and for glory. On n'a rien vu. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Pourquoi ça s'est allumé? Peut-être pour le skin. Showtime. Skin El Costo, ouais, je sais pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.